Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il a quelqu'un qui a tout à Dieu ce soir. Les démons chauds ce soir. Les démons chauds ce soir. Amen. Amen. Ceux qui sont derrière ton problème sont des démons. Amen. Sont des démons. Or, Dieu t'a donné le pouvoir en son nom de chasser les démons. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un les démons chauds ce soir. Dis à quelqu'un les démons chauds ce soir. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un tu es béni. Tu es béni. Amen. Dis à quelqu'un tu es béni. Ce qui nous réjouit, c'est que notre Dieu a vaincu Satan. Amen. Le Dieu que tu pries là, a vaincu Satan. Amen. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il t'a donné le pouvoir sur les œuvres du diable. Amen. Quand tu dis œuvre du diable, c'est la maladie. C'est tout ce que tu vis comme difficulté. Tu as le pouvoir. C'est à toi de te servir de ce pouvoir et de stopper le diable. Je lui dis merde. Il dit dans Luc 10, verset 19, il nous a donné le pouvoir en son nom de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de Satan. Il déclare que rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra toi te nuire. Et nous allons donner une parole à Satan ce soir. Nous allons donner une parole à la sorcellerie. Nous allons dire aux sorciers de stopper, d'arrêter, de nous maltraiter, d'arrêter. Parce que Jésus-Christ a pris, n'est-ce pas, celui à la croix, cette maladie dans laquelle tu souffres. Jésus a porté ça à la croix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Qui croit à sa délivrance? Amen. 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 Alléluia. Qui croit à sa délivrance? Amen. Vous savez, il y a un principe sur lequel Dieu se base pour agir, c'est la foi. Or, il y a des gens qui viennent, ils peuvent suivre les gens dans le mouvement. Or, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Or, la foi se démontre. C'est une ferme assurance de choses qu'on espère et la foi se démontre. Je vais voir tout à l'heure si tu as vraiment la foi. Amen. Parce que Dieu récompense la foi. Dieu est capable d'agir. Amen. Dieu est capable de te délivrer. Il n'y a pas une situation qui est difficile devant Dieu. Il est le spécialiste des cas impossibles. Impossible, ce n'est pas le langage de Dieu. Amen. Dieu peut régler ton problème maintenant. Tout dépend de toi. Il y a quelqu'un qui dépend de toi. Il y a quelqu'un qui dépend de toi. Que ce nom est aussi de tout nom. Quand ce nom est prononcé, la sorcellerie fléchit genoux. Amen. Il dit amen. C'est pour cela que ton Dieu est en train de confondre tes ennemis. Amen. Vous savez, quand Dieu commence à agir, il va commencer d'abord à confondre tes ennemis. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu es bientôt, tes ennemis seront confondus. Dis à quelqu'un, très bientôt, tes ennemis seront confondus. Très bientôt, tes ennemis seront confondus. Qui croit à ça? Amen. 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 On dit amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous allons toucher la parole de Dieu. Amen. Qui aime écouter la Bible, la parole de Dieu? Et les gens, ça ne les intéresse pas. Ça, les Bibles, là, non. La partie on délivre, ok, mais la Bible. Or, la parole de Dieu nous déclare, c'est la nourriture de l'âme. Nous prenons dans le livre des Psaumes. À partir du verset 27, le verset 1, qui va nous intéresser. Le psaume 127, le verset 1. Amen. Il y a d'autres qui prennent la Bible et utilisent ça comme oreille. Satan, il s'en fiche. Amen. Nous connaissons même des marabouts, des féticheurs qui consultent avec la Bible. Amen. Amen. Oh, la Bible dit que la parole de Dieu, esprit et vie, il faut la serrer dans ton cœur et mettre en pratique sa parole. C'est tout ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Amen. Qui a l'habitude de lire la Bible? Il n'y a pas trop de... Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'allez jamais grandir. Non, vous n'allez jamais grandir. Or, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on attend. De ce qu'on attend de la parole de Dieu. Si tu veux être un homme puissant, si tu veux aller très loin, il faut lire la parole de Dieu. Amen. Il y a tellement de bonnes choses dans la parole de Dieu.
Dieu ne fera que réaliser ce qu'il a dit dans cette parole. Amen. C'est tout. Il ne fera que réaliser ce qu'il a dit dans cette parole. Alléluia. Amen. C'est ça que quand quelqu'un est assis dans la parole, la personne ne panique pas devant les situations difficiles. Elle ne paniquera jamais. Tu paniques parce que tu n'es pas assis dans la parole. Tu ne sais pas donner une parole à Satan. Amen. Alléluia. Le psaume 127, à partir du verset 1. Si vous y êtes, on y va. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tu réponds? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. On poursuit encore. Si l'Éternel ne garde la ville, ne garde la ville, celui qui la garde, la garde en vain. En vain. Amen. Amen. Voici la parole de David. Vous savez que ce monsieur, il a expérimenté beaucoup de choses avec Dieu. Pourquoi? Parce que au moment où Dieu choisissait David, dans sa famille, c'était quelqu'un qu'on ne considérait même pas. Il était le plus petit d'ailleurs, qu'on ne respectait même pas d'ailleurs. Amen. Qu'on ne considérait même pas, on ne pensait même pas qu'il allait devenir quelqu'un demain. Vous savez, c'est cela qu'il faut croire ta destinée. Au moment où les gens te banalisent, ils ne croient même pas à ça, Dieu a quelque chose, un plan pour toi. Amen. Amen. Au moment où les gens te méprisent, n'ont rien, ils ne pensent même pas qu'il doit devenir quelqu'un, Dieu a un plan pour toi. Amen. Or, David était le plus petit parmi ses frères. Les gens le banalisaient. Et c'est lui qui a été le choix de Dieu. Amen. Amen. À cause de sa détermination, sa foi en Dieu. Amen. Amen. La seule chose que tu dois avoir maintenant, c'est ta foi en Dieu. Or, ce monsieur qu'on appelle David, Dieu va l'utiliser pour tuer l'ennemi d'Israël, qu'on appelle Goliath. Dieu va l'établir, avant de l'établir sur le trône d'Israël, David a connu pas mal de persécutions. David a vécu pas mal de difficultés. Souvent, on se dit, mais Dieu est avec nous, pourquoi nous vivons les difficultés? C'est pour nous forger, c'est pour nous aider. Or, il y a une école qu'on appelle l'école de la vie. Pour que Dieu t'élève davantage, pour que Dieu te positionne, tu vas connaître ce qu'on appelle la traversée du désert. Amen. Tu vas connaître la traversée du désert. Tu vas connaître, c'est vrai, les difficultés. Mais toutefois, qu'il voit les choses bizarres, même dans le désert, tu vois toujours l'intervention de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne confondez pas ce qu'on appelle la malédiction du désert. C'est différent. La malédiction n'a pas d'issue. Or, dans le désert, on a toujours l'intervention de Dieu. Amen. À l'image du peuple d'Israël, dans le désert, les gens avaient besoin d'eau. Dieu s'est révélé à eux, il a donné à boire. Ils avaient besoin de la nourriture. Dieu a donné à manger à Israël. Amen. Donc, David a vécu pas mal de difficultés, son persécuteur. Or, le trône appartenait à David, mais il y avait quelqu'un qui était encore assis sur le trône, qu'on appelait Saül. Amen. Amen. Le trône là appartenait à David. C'était maintenant pour David. Il y avait un ennemi de David. Il a créé pas mal de difficultés à David. Pas mal de difficultés à David. Et comme David était attaché à l'Éternel, finalement, son ennemi a été renversé. Amen. Amen. Donc David est bien placé pour nous donner le conseil. Il dit, si l'Éternel ne garde, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Or, la Bible nous considère comme l'être humain. Jésus même prend la vie d'un être humain comme une maison. Amen. Qui est celui qui bâtit toi ta maison, c'est-à-dire ta destinée, ta vie là? Qui est l'auteur? Qui est en train de construire ta vie? Amen. Amen. Qui est en train de construire ta vie? Or, quand on dit construire sa vie, il faut mettre Dieu à la première place. J'ai des gens, ils ne permettent même pas à Dieu de décider. Or, regardez, quand on dit Dieu, on met Dieu à la première place, c'est-à-dire que vous devez chercher toujours ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, ce n'est pas facile à avaler, ce n'est pas facile à accepter. À l'image de Jésus dans le jardin de Gethsémani, Jésus dit, si cette coupe pourrait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais que toi ta volonté soit faite. Amen. Il a accepté la volonté de Dieu. Il a accepté d'affronter la croix. Il a accepté. Et dans cette croix-là, il y avait ce qu'on appelle l'humiliation. Amen. Amen. Alléluia. Il avait ce qu'on appelle l'humiliation. Jésus a connu l'ignominie, qui est la plus grande honte en français. L'ignominie, ça fait la plus grande honte. Jésus a été mis nu à la croix. Jésus a accepté d'affronter ça. Parce que c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Jésus a été fouetté dans la cour de Ponce-Pilate. Jésus a été crucifié, mais dans la volonté de Dieu, il y a eu la gloire après. Après la souffrance, il y a eu la gloire. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un dit l'Éternel bâtit la vie d'une personne, il faudrait que la personne comprenne qu'avant chaque décision,
et qu'elle s'appuie sur Dieu. Amen. Il y a des gens qui ne consultent même pas Dieu, se lèvent un matin, ils font ce qu'ils veulent. Ils se lèvent. C'est pour ça que Satan a accès facilement à votre vie. David ici, l'Éternel ne bâtit une maison. Ceux qui la bâtissent travaillent avant. Amen. Amen. Qui bâtit ta vie? Ta foi est basée sur qui? Qui est en train de construire cette vie-là? Si ce n'est pas l'Éternel, ça va s'écrouler. Si ce n'est pas l'Éternel, les sorciers vont te manger. Amen. Amen. Ils vont te manger. Si ce n'est pas Dieu qui construit ta vie, c'est vrai que tu as les grands diplômes, c'est vrai que tu es intelligent. Mais si Dieu n'est pas au centre de ta vie, les sorciers détruiront tout ce que tu as construit pendant des années. Tu as investi, c'est-à-dire tu as mis de l'argent pour avoir des diplômes. Mais comme Dieu n'est pas l'auteur, ce n'est pas Dieu qui est en train de construire cette vie, le jour où le diable aura besoin de toi, il va te manger. Amen. C'est pour ça qu'il faudrait que Dieu soit l'auteur. À partir d'aujourd'hui, il faut que Dieu soit le centre de ta vie. Avant de prendre une décision, il faut forcément consulter l'Éternel. Il faudrait comprendre qu'il faudrait la volonté de Dieu. Amen. Si Dieu dit non, stop. On dit amen. 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 C'est ce que nous devons rechercher, la volonté de Dieu. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. C'est ça qu'il vous conseille à lire la parole de Dieu. Amen. À vous imprégner dans la parole de Dieu. On dit amen. Amen. Nous devons tous nous imprégner dans la volonté, la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Il y a une situation. Je suis confronté à une situation. Mais quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette situation? Et on s'élève, on fait ce qu'on veut. C'est pour ça que le diable accède facilement à notre vie. Parce que si nous accomplissons la volonté de Dieu, nous allons voir le soutien de Dieu. Amen. On dit amen. 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 On dit amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien compris? Amen. Non seulement ça, il y a aussi des vies qui ont été bâties sur les faux fondements. Des faux fondements. Or, dans le passé, tes parents ont bâti toute votre génération, toute cette vie sur un faux fondement. Il peut consacrer vos vies aux démons, tels que les esprits des eaux, tels que les esprits des rivières, des forêts, des démons. Ça, c'est un faux fondement. Amen. Or, quand vous lisez dans le même psaume, on dit, si le fondement est renversé, le juste, qu'est-ce qu'il restera-t-il, le juste? C'est-à-dire le fondement, ta vie est certainement bâtie sur du faux. Sauf cela que l'ennemi, par moment, réclame ta vie. Il y a une réclamation spirituelle. Quand vous lisez un peu dans la Bible, pendant... Élisée était prophète d'Israël. Il y a une dame qui est venue dire à Élisée, elle est venue voir Élisée, elle dit, les créanciers sont venus prendre mes fils, parce que mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel, mais il est mort avec des dettes. Ouais. Vous voyez comment comprenez-vous quelqu'un qui craint Dieu et qui meurt avec des dettes? Alors les gens sont venus pour payer les dettes, sont venus prendre les enfants. Vous comprenez? Il peut y avoir aussi des dettes spirituelles. Des dettes spirituelles. Comme les parents ont fait des choses dans le passé, ils ont bâti la vie sur du faux. C'est les démons qu'elles vous ont confiés. Donc les démons vous réclament. Bien que vous soyez dans le Seigneur, il dit dans ton serviteur craignait l'Éternel, mais il est mort avec des dettes. Il y a des gens qui sont là, qui sont endettés sur le plan spirituel. Il y a des endettements sur leur vie. Il y a des dettes spirituelles. Parce que vos parents ont bâti la vie sur du faux. Ils ont consacré vos vies sur les démons, bâtissent la vie sur les démons. Donc les démons vous réclament. Or, c'est réglé, c'est un pacte. Il y a des familles où on ne doit pas se marier. Il y a des familles où on ne doit pas avoir de la richesse. Il y a des gens qui sont issus des familles des esclaves dans le village. C'est pour ça que vous devez connaître votre histoire. Amen. 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 C'est pour ça que vous devez connaître votre histoire. Donc, il y a des vies qui sont bâties sur les faux fondements. C'est construit sur les faux fondements. Or, quand une vie est bâtie sur un faux fondement, il faut que le fondement soit d'abord renversé et rebâti. Vous devez rebâtir notre fondement. Bâti sur Jésus. Amen. Amen. Or, le diable tient compte de tout ça. C'est pour ça qu'il a un droit légal sur vous. Malgré vos prières, vous avez des cauchemars. Pendant que vous dormez, vous avez des cauchemars. Vous avez des réclamations. Les démons vous réclament. Amen. Depuis que moi j'ai fait ma délivrance, j'ai expérimenté Jésus, c'est fini, je ne fais pas les cauchemars. Je ne vois pas ce qu'on a fait, les enfants, les esprits viennent faire l'amour avec vous en rêve. Ça, ce n'est pas des bons signes. Amen. Tel que les chiens sont en train de vous poursuivre en rêve, ce n'est pas des bons signes. Amen. Amen. Comment c'est vous, les démons torturent à tout moment? Vous n'êtes pas. Oui, mais ils sont toujours en train de vous torturer.
Vous n'êtes pas le maître des démons, c'est les démons qui sont maîtres sur vous. Vous devez vous poser des questions, vous remettre en cause, vous dire, c'est vous qui avez un problème. Parce que le diable trouve pas, non, il s'en fiche de vous. Il vient, il rentre dans votre vie, il fait de ce qu'il veut de votre vie. Parce qu'il y a des endettements, il y a des dettes spirituelles sur vous. La vie était bâtie sur du fond, donc il n'a pas peur. Il n'a pas peur de t'attaquer. Il n'a pas peur de prendre ton enfant. Il n'a pas peur d'envoyer une maladie. Parce que tu dois payer. Tout se paye. Est-ce qu'on va bien saisir? Tout se paye, il n'a pas peur. Il n'a même pas peur de toi. Tu ne l'effraies même pas. Parce que tes parents, à un moment donné de leur vie, ils, au lieu d'expérimenter Dieu, ils sont allés confier toutes ces vies-là aux démons. Et c'est vous qui faites les cauchemars. Pourtant, la Bible dit que Jésus dit, tout est accompli, frère. Amen. Tout est accompli. Amen. Pourquoi c'est vous qui êtes toujours torturé par des démons? C'est les démons qui vous poursuivent. Moi, le jour où j'ai fait un rêve bizarre, quand je sais que j'ai dit au diable, stop! Ce que tu viens de faire là ne va jamais avoir son accomplissement. Amen. 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 Oui, souvent, il y a des visions que je vois. Quand je me lève, je vois que je suis attaqué, je vois que telle chose arrive, un accident arrive. J'ai dit à Satan, moi, j'ai le pouvoir de dire stop. Amen. 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 Et le diable est obligé d'exécuter ça. Amen. Il est obligé parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Jésus a payé la dette. Dis amen. Amen. Cette dette-là, Jésus a payé ça à la croix. Amen. Jésus a remboursé la dette. Mes parents avaient certainement vendu nos vies aux démons. Mais je crus en Jésus. Jésus a payé cette dette. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Et j'ai dit à Satan, moi, je me reconnais comme un enfant de Dieu. Tu n'as plus de droit sur moi. Tu ne dois plus être maître de ma vie. Tu ne dois plus régner sur moi. Désormais, ma vie est bâtie sur le Christ. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Nous avons le grand pouvoir, le délier, le lier. Ce sont nous les chrétiens. Nous les chrétiens, nous avons ce pouvoir-là. Amen. Amen. Aucun démon ne peut vaincre un enfant de Dieu. Amen. Même Satan a peur de toi. Même Satan a peur d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est toi qui as toujours les problèmes. Quand tu es couché, c'est toi qui as des attaques bizarres. Mais Satan a tout raison. Il te dit, maintenant, je m'en fiche de toi. Il rentre dans ta vie, fait de ce qu'il veut. Or, la Bible dit que si l'Éternel est bâti une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde une vie, hein, ceux qui gardent la vie veillent en vain. Qui veille sur ta vie? Qui veille sur ta vie? Le point d'interrogation. Qui veille sur ta vie? Si ce sont les fétiches, frère, tu as échoué. Amen. Ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien. Si ce sont des démons, si ce sont des rivières, les fleuves, ne pourront rien. Amen. Amen. La Bible est claire là-dessus. Si ce n'est pas Dieu qui est ton gardien, si ce n'est pas Dieu qui veille sur ta vie, frère, c'est dangereux pour toi-même. Si ce n'est pas Dieu qui garde une maison, c'est dangereux pour cette maison. Le diable aura facilement accès à cette maison. Ton seul problème, c'est que ta vie n'a pas été bâtie sur Dieu. C'est pour ça que tout cela t'arrive aujourd'hui. Où tu es venu dans le Seigneur, mais tu es suivi par des dettes spirituelles. Il y a des dettes qui t'ont accompagné. J'ai fait la délivrance des parents, des gens, où dans leur lignée, et c'était leur papa qui immolait des hommes. Oui. J'ai vu un endroit comme ça à Zaroko. Où il y a des gens, leur famille, eux, c'est eux qui gorgent les gens. Oui, c'est eux qui... Mais tout se paye. Amen. Amen. J'ai toujours dit aussi, il n'y a pas une famille africaine où on dit on n'a jamais pratiqué la sorcellerie. Or, quand il y a eu la sorcellerie, quelque part, il y a eu le sang qui est versé, il y a une malédiction. Comme Dieu a dit à Caïn, le sang de ton frère crie vengeance, vengeance. Le sang que nos parents ont versé crie toujours vengeance. Amen. C'est cela qu'il faut que ces liens-là soient brisés pour ne pas que nous soyons influencés. C'est vrai qu'on peut-être te recevoir parler avec toi, mais si les endettements ne sont pas brisés sur ta vie, les démons continueront toujours de te détruire. Amen. Amen. Qui est en train de bâtir toi ta vie? Qui est au centre de ta vie? Alléluia. Amen. Amen. Qui bâtit ta vie? Qui veut sur toi? Toi. Frère, la mort de Jésus, c'est un grand sens. Jésus n'est pas mort en vain. C'est pour nous délivrer. C'est pour notre propre guérison. C'est pour ça que Jésus est monté à la croix. Il a accepté de partir à la croix. Amen. Aucun sorcier ne peut contre la vie d'un enfant de Dieu.
Le seul problème aujourd'hui, c'est que dans le passé, certainement, ta vie a été bâtie sur un faux fondement. C'est un faux fondement. Ce qui fait que les gens réclament. Bien que tu aies jeûné, prié, mais il y a des fondements sataniques. Il y a des fondements, des choses bizarres qui sont dans ta vie encore. Qui donnent un droit à Satan. Qui donnent un droit au démon de régner pleinement sur ta vie. C'est ce que nous allons détruire maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu est dans la vie d'une personne, la Bible dit que, quand vous lisez un peu dans le livre de Samuel, vous comprenez, on dit, Samuel, Saül avait peur de David. Il éloignait David de sa présence parce qu'il avait compris que l'Éternel était avec David. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, il avait peur de la présence de David. Et David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Parce que Dieu était avec lui. Vous comprenez? Quand Dieu est avec quelqu'un, tout ce que la personne touche marche. Frère, il faut te dire, est-ce que ce que tu es en train de faire, Dieu est dedans? Pose-toi la question, tu es en train d'entreprendre quelque chose. Est-ce que tu as compris la volonté de Dieu dedans? C'est ce qu'il dit souvent aux gens. Vous voulez partir en Europe, ok? Vous prenez les papiers, ou bien quelqu'un t'envoie un papier de l'Europe, et tu passes un fond fondement. Comment tu penses reçu en Europe? Amen. Parce que tu as envie de partir en Europe. Arrivé en Europe, tu as toutes les difficultés. Il y a quelqu'un qui me dit, prophète, moi-même, je veux voir seulement l'Europe. C'est tout mon problème. Je lui ai dit, tu n'es pas ambitieux. Europe. Vous pensez qu'on parle en Europe pour vous amuser? Moi, je veux seulement arriver en Europe, toucher ça seulement. Je lui ai dit, mon frère, tu n'es pas ambitieux. Europe n'est pas synonyme de réussite. Il n'y a pas besoin d'aller en Europe pour que Dieu me bénisse. Dieu peut me bénir ici. Vous comprenez? Tu vas en Europe, c'est un faux fondement. On t'envoie des papiers, peut-être qu'il ressemble à ta soeur, et tu vas en Europe, arriver là-bas, tu as tous les problèmes pour refaire encore tes papiers, c'est un faux fondement. C'est ça que le commencement d'une chose importante. C'est quoi qui bâtit ton commerce? Tu commences comment? Tu vas prendre le mari de Afoué. Elle souffre, elle mange d'Aguina, elle sauce aubergine. Le monsieur là, il ne donne pas sa femme. Et toi, l'agent de prostitution, il te donne 500 000. Tu prends cet argent-là pour aller faire un commerce, ça va chuter. Amen. C'est un faux fondement. Amen. Je suis désolé, c'est un faux fondement. Amen. Mais proverbe, mon commerce est sommé. Mais les sorciers, ça, c'est un faux fondement. Les sorciers sont venus détruire mon commerce. Vous voyez, ça aujourd'hui là, ils gâtent tout. C'est pas tout, ils gâtent. Ben, il sait que c'est un faux fondement. Donc il a un droit. Il vient, il détruit ça. Est-ce qu'on va bien saisir? Il vient, amen, il détruit. Quand tu peux prendre l'argent de prostitution, aller faire commerce. Et puis tu penses que tu vas être béni. Ça va commencer. Mais ça ne va jamais atteindre quelque chose. Parce que c'est un faux fondement. C'est un faux fondement. Est-ce que m'a bien saisi? C'est un faux fondement. Tu as commencé comment? Ou même, il y a ce qu'on appelle le concours. Hein? On essaie de corrompre les gens. Amen. Donc c'est un faux fondement. En toute chose, nous devons chercher la volonté, amen, de Dieu. Amen. C'est ça qui est plus important pour nous. Amen. Amen. La volonté de Dieu. C'est ça que la Bible dit, si l'Éternel est bâti de maison, c'est que la bâtisse travaille en vain. Qui bâtit ta vie? Amen. 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 Qui est au centre de cette vie? Ça, c'est vraiment important. Qui est en train de bâtir toi ta vie? Si tu n'aimais pas Dieu devant, parce qu'il est l'alpha, il est oméga. Il faut qu'il soit au début et la fin. Parce que la Bible dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu vas bien commencer, mais c'est la fin qui est plus importante. Comme Dieu n'est pas à la tête, ce n'est pas lui qui a commencé, il finira aussi très mal. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. En toute chose, recherchons la volonté de Dieu. Recherchons la volonté de Dieu. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Recherchons la volonté de Dieu. Je disais aux gens comme ça, comment vous voulez déménager, que vous avez une maison, vous devez la consacrer. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. Ah non, Dieu, non. Quand vous avez une maison, vous trouvez une maison, vous voulez déménager, il faudrait que cette maison soit consacrée à Dieu. Non seulement un, peut-être que ce n'est pas toi qui as construit cette maison. Ou même avant de construire une maison, il faut la dédier à Dieu. Il faut que cette terre soit consacrée. Tout ça. Parce que un, si ce n'est pas toi qui as construit la maison, celui qui vient de construire cette maison-là, certainement a fait des faux fondements. Il a certainement mis des choses sous la terre. Ou même celui qui vient de quitter la maison.
a certainement eu dans la maison des pratiques qui ne sont pas bien. Donc il a laissé des démons. Il laisse des démons dans la maison. Les démons sont là, il laisse des démons dans la maison. Or, avant d'avoir accès à une maison, il faut d'abord détruire la présence, l'atmosphère négative de la maison. Amen. Consacrer la maison pour que Dieu soit maître de la maison. Amen. 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 Est-ce que vous avez bien saisi? Même quand on te donne un service, un poste, il faudrait que le fauteuil soit consacré. C'est ça qui réagit un peu. Même un président de la République, c'est les urnes qui l'amènent à la tête. On dit qu'il a été élu, mais ce sont les urnes. Mais pour qu'on dit, on dit le président prête serment, l'ordination du président. Et vous allez comprendre que le président vient, il dit, même sur la Bible, d'autres disent le Coran, mais il vient, il l'aspect spirituel sort. Il prête d'abord serment devant Dieu, avant de commencer à travailler. Il remet tout entre la main de Dieu. Nous devons comprendre que tout doit commencer par Dieu. Tout Dieu d'abord. Amen. Mais on démarre un commerce, on ne confirmait pas l'argent du commerce à Dieu. Le sorcier, il vient, il mange. Il prend ce qu'il a envie de prendre, il mange, il gâte. Dette, 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 on sort zéro. Tu as commencé ta maison, tu as bâti ça sur quoi? Si ce n'est pas Dieu, c'est un problème. Amen. Amen. Si ce n'est pas Dieu, c'est un problème. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que Dieu soit aujourd'hui le centre de notre vie. Amen. On dit amen. Amen. Il faudrait que Dieu soit au centre de notre vie. Amen. Dieu n'a pas, il n'a pas, il n'y a pas quelqu'un qui est malheureux. J'ai dit, Dieu n'a pas créé un malheureux. Non. Amen. On dit la Bible que tout ce qu'il a créé est bon. Le seul problème, c'est que quelque part, l'homme ayant abandonné Dieu, s'est tourné vers Satan. Et quand on se tourne vers Satan, vas-y, tout ça qui ressort en retour, la malédiction, les difficultés, les problèmes. Donc ce soir, tu vas prier et tu vas détruire tous ces faux fondements. Demoiselle, vous dormez. Comment la vie, parole de Dieu, s'est somnifère chez toi? Hein? Tu peux pas voir? Tu ne dois pas, ouais, tu sors de ton corps. Et tu vas dormir. Nous allons nous tenir debout. Tu vas prier. Tu vas te révolter contre le fondement de ta vie. Parce que tu as l'impression que ta vie est en train de se dégrader. Chaque fois, ça se dégrade. Ça n'avance pas. Ça est en train de se détruire. Tu as l'impression que ça se détruit. Au fil du temps, ça se détruit. Et tu as l'impression que les membres de ta famille, tout le monde, c'est la même chose. Arrivé un moment, personne n'avance, personne n'arrive à évoluer. Il faudrait que ce fondement soit renversé. Amen. Amen. Alléluia. Il faudrait que ce fondement soit renversé. Ta vie soit désormais bâtie sur le Christ. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Tout le monde prie. Nous ouvrons la bouche et nous prions. On ouvre la bouche et on prie. Nous ouvrons la bouche et nous prions. Prions. Autorité.
Nous dérançons les démons. Nous détruisons le pouvoir des démons sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de